Salut à tous, c'est LesTheKid. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo express sur Minecraft. Alors comme vous pouvez le voir, je suis sur mon serveur Minecraft que je vais pas vous présenter aujourd'hui. On verra ça plus tard quand il sera plus avancé. Ensuite, je suis également dans mon skin que vous verrez tout le temps, le skin du ninja, parce que c'est mon skin défini dans Minecraft, hein, je l'aime bien, je trouve ça fun, ninja. Je vais cette petite vidéo pour vous parler des mises à jour apportées par la nouvelle mise à jour de Minecraft Xbox 360 édition. Alors déjà, l'arrivée du portail de l'End. Et oui, le portail de l'End était effectivement déjà là dans la version précédente, mais il ne s'activait pas. Donc là, il ne va pas s'activer non plus parce que nous sommes en créatif. Mais en survie, vous pourrez aller dans le Nether et péter la gueule à ce fucking dragon. Vous savez déjà ce qu'il y a dedans, parce que la plupart d'entre vous connaissent déjà un peu ce qu'il y a sur PC. Ensuite, l'arrivée des boules de feu. Alors, les boules de feu, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des boules qui font du feu. Voilà. Merci, Death the Kid. L'arrivée des petites boules de feu pour le PVP, ça peut être utile pour foutre le feu à des trucs, c'est marrant. L'arrivée des tableaux. Alors ça c'est une super bonne nouvelle pour moi, franchement j'adore les tableaux. L'arrivée des tableaux, alors qu'est-ce que les tableaux? Vous voyez, je pose des tableaux, il n'y a rien dedans. Et dans les tableaux, on peut absolument mettre tout et n'importe quoi. Quand j'ai dit tout et n'importe quoi, tous les objets que vous voyez là, disponibles dans le monde entier de Minecraft, vous pouvez tout mettre en faisant un clic, une gâchette gauche, vu que nous sommes sur Xbox Edition, dessus. Donc voilà, j'ai mis un diamant, une épée, une petite TNT, voilà les merdes. Regardez, c'est même en relief pour les cubes. C'est génial. Et quand on les casse, on récupère les deux. Le tableau vide et le bloc qu'on a mis. L'arrivée des boutons en bois. Donc c'est la même utilité que les boutons en pierre, sauf que on peut l'activer avec une flèche à distance donc. Voilà. Quoi d'autre? L'arrivée de ce nouveau petit truc. L'arrivée de plein de nouveaux bois. Enfin plein. Vous allez voir. Hop, j'ai pris ce qu'il me fallait. Hop, pour les bois. Déjà l'arrivée des demi-dalles en briques du Nether. Donc utile pour faire des belles constructions. Et l'arrivée du nouveau bois. Nous n'avons plus simplement ce bois de base. Nous avons maintenant le bois de bouleau qui est beaucoup plus blanc. Et le bois de sapin qui est beaucoup plus foncé. Nous avons les demi-dalles et les cubes complets. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également maintenant les escaliers en chacun de ces bois, les escaliers en briques du désert, et enfin les escaliers en grès qui viennent d'arriver. Oui, effectivement, il y avait déjà la grès et les demi-dalles en grès, mais nous n'avions pas encore les petits escaliers en grès. Donc voilà, plein de petites nouvelles possibilités pour faire des jolies constructions. D'ailleurs, moi, ça va beaucoup me servir dans mon serveur. Ensuite, quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Je sais que j'ai oublié quelque chose, mais on va regarder. Voilà, c'est pas là. L'arrivée de plein de nouveaux disques. Effectivement, si en survie vous vous amusiez à avoir tous les disques, parce que certains sont des hardcore gamers et veulent avoir tous les disques en survie parce que c'est des gros badass PGM qui veulent tout avoir, eh ben vous avez un nouveau challenge, c'est qu'il y a plein de nouveaux disques. Alors faites-vous plaisir avec ces nouveaux disques, hein. Je sais pas du tout si celui-là c'est un nouveau, celui que je viens de prendre, parce que les disques, moi franchement, j'en ai rien à branler. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi, bien sûr, l'arrivée d'une chose que tout le monde attendait. L'arrivée des œufs. Et oui, nous avons des œufs de tout maintenant sur Xbox. Les œufs qui ne sont disponibles qu'en créatif, par contre, faites attention. Alors, les œufs de creeper, de squelettes, d'araignées, de zombies, de slime, de gaz, de cochons zombies, d'underman, d'araignées bleues, les araignées qui empoisonnent, les villageois, les champignons, les loups, les pieuvres, les poulets, les vaches, les moutons, les cochons, les cubes de magma, les blazes et les poissons d'argent. Donc, en gros, tous les mobs possibles et inimaginaux. Voilà, là, je viens par exemple de faire apparaître une araignée et elle a complètement bugué. Alors, ah parce que c'est une araignée bleue, et je crois que les araignées bleues ne spawnent que dans les mines. Ah, par contre, l'Underman, ça il peut pas, il est dans le Nether. Ça aussi, il est dans le Nether. Du fail à pagaille. Des slimes. Ah, mais non!
Je suis complètement con, les gens, désolé. Je suis en mode pacifique sur mon serveur créatif. Donc je ne peux pas vous montrer les mobs méchants, mais vous pouvez les voir apparaître un millième de seconde. Hein. Donc vous pouvez voir que ça marche, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous montrer que ça marche en prenant des mobs pacifiques, tout simplement. Voilà, comme d'hab, même sur Minecraft, j'arrive à faire des fails, moi je suis trop fort. Voilà, des hop. On va faire apparaître des trucs pacifiques. Un PNJ. Une meme champagne. Allô? Et une pieuvre sur terre. La pauvre. Et une poule. Et une vache. Ah, la mouton. Un cochon. Et une boule de magma que je ne peux pas faire spawn. Et vous avez vu? Les boules de magma, quand on les fait spawn, tout comme les slimes, leur taille est complètement aléatoire. Donc c'est ça que c'est bon. Donc voilà, je crois que je voulais parler de toutes les nouveautés apportées par cette mise à jour sur Minecraft Xbox 360 Edition. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'ils avaient parlé, ils avaient lancé la rumeur qu'il y aurait la mise à jour des chats, enfin des espèces de panthères là, mais voilà, on appelle ça les chats hein, tout simplement parce qu'elle opposait des loups. Et elle n'y est pas. Donc un peu déçu, je l'avoue. Mais bon, ce n'est pas grave, hein. On va pas se casser la tête pour ça. C'est quand même une mise à jour super sympa qui était attendue par tout le monde. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'ils en fassent plus souvent et des plus complètes pour rattraper leur rival du PC. Parce que Minecraft PC reste quand même largement supérieur à Minecraft Xbox. Mais bon, c'était pas grave. Bon, c'est sur une petite île flottante. On va cesser, les amis. C'était Death the Kid. Salut à tous. À la prochaine. Ah! Plouf. Oui, il y a des cubes de laine rouge dans mon eau. Non, je ne suis pas un fou psychopathe. C'est juste que c'était une question pratique. Oui, une question pratique. C'est bien ce que je voulais dire en plus. Je vois pas pourquoi je me suis repris. Pour pouvoir mettre l'eau, parce que nous sommes sur un monde super plat, donc mettre de l'eau c'était super chiant. Et maintenant, on s'est fait chier à mettre de la laine pour pouvoir mettre l'eau. Et maintenant, il faut se faire chier à l'enlever. Et sauf que, comme vous le savez, je suis un putain de fucking feignant. Donc voilà, c'était Death the Kid. Salut à tous les amis, à la prochaine!